Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette merveilleuse journée que tu nous as encore accordé la grâce d'avoir. C'est un privilège, Seigneur Père éternel, que tu nous donnes d'avoir le souffle de vie renouvelé. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous restaure, qui nous relève, qui nous donne de l'espoir, même quand tout semble perdu, Seigneur. Nous te disons merci de nous éclairer, merci de nous conduire, de nous conseiller, de nous exhorter, Seigneur. Père éternel, Papa, nous te disons merci d'éloigner toute confusion, toute lourdeur, toute distraction, toute somnolence, toute fatigue. Et Père éternel, tu parles directement à nos cœurs et nous te recevons avec humilité et douceur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean, nous prenons le chapitre 4 à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Je fais la lecture, je suis dans la version de Louis II. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Vous pourrez faire la lecture après de tout le reste du passage. C'est très intéressant. Et donc, les versets que nous venons de lire actuellement nous relate une conversation très intéressante entre le Seigneur Jésus-Christ et une femme samaritaine. Et je veux déjà lever la première importance ici de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu aime tout le monde. Et qu'importe le lieu d'où nous sommes issus, qu'importe l'âge que nous avons, qu'importe notre genre, qu'on soit homme ou femme, qu'importe même la tribu ou nos passés, ce qu'on a pu vivre, la vie que nous avons pu mener dans le passé, quand tu décides de venir au Seigneur et que tu te répands de tes mauvaises voies, le Seigneur non seulement te pardonne, mais il te fait grâce. Ne perdons jamais de vue que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. C'est un amour que, humainement, nous ne pouvons même pas imaginer, nous ne pouvons même pas comprendre. C'est pour cela qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité étant Christ. Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tous parviennent à la connaissance de la vérité. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Là où tu te trouves là, mon frère, ma sœur, il faut être persuadé vraiment au plus profond de ton cœur que Dieu t'aime, qu'il ne veut pas ta perte, qu'il veut que tu marches dans la lumière, dans la vérité, dans la justice, la droiture, que ta vie soit une vie bénie et heureuse sur cette terre.
C'est la volonté de Dieu. Vous vous rappelez même dans le passage de l'Éphésiens chapitre 6 verset 3, quand il faisait la promesse pour les enfants qui obéissent aux parents, il dit « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Ça dit que tu ne vas pas seulement vivre longtemps, mais tu dois être heureux. C'est ça que la parole de Dieu dit, qu'il veut que nos joies soient parfaites. Et l'obéissance à l'enseignement de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous confère ce bonheur et cette longévité sur cette terre. Moi, je ressens vraiment le besoin de le dire, que cela s'asseye dans les cœurs de chacun d'entre nous et dans le mien en premier, cette conviction ferme. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à dire des choses comme quoi, même avec les épidémies, les pandémies qu'il y a dehors, que le Seigneur serait, parce qu'il est énervé à cause d'un certain comportement des hommes de la terre, il permet des jugements, c'est ça qui fait que les gens meurent à gauche, à droite. Je rectifie déjà ça. Ce sont des œuvres du diable. Ce sont les choses que l'adversaire met dans les têtes des gens parce qu'il veut toujours faire porter le chapeau aux uns aux autres, responsable de ce que lui y cause. Notre Dieu est bon et il veut que nous soyons bénis et que nous vivions longtemps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que tout au long même de ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine, nous devons garder. Encore plus en ces jours-ci. En ces jours-ci où nous subissons véritablement cette pandémie, où il y a des esprits diaboliques qui ne font que faire le travail du diable, d'infecter les mentalités des uns et des autres afin de mettre vraiment les ténèbres sur notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant, le Père de lumière. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu confère la vie. La puissance de la mort, ça appartient au diable. Il faudrait être fermement convaincu de cela. Je rentre maintenant dans l'enseignement. À l'époque du Christ, comme il est dit dans ce passage, les Samaritains et les Judéens étaient en mésentente. Ils avaient des désaccords. Les rapports entre les deux tribus étaient tendus. D'ailleurs, ils ne se fréquentaient pas. Les Judéens, eux, de leur côté, ils considéraient même que tout ce qui pouvait provenir de la Samarie était quelque chose d'impur. Et quand ils faisaient même leur parcours, ils ne voulaient même pas traverser l'intérieur de la Samarie parce que pour eux, c'était comme un sacrilège. À plus forte raison, s'asseoir, manger, boire avec les Samaritains. Même les ustensiles, même toucher les coupes, et toutes ces choses qui provenaient de la Samarie, pour les Judéens, c'était hors de question. Mais pourtant ici, verset 8, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » On voit que les disciples du Seigneur étaient allés acheter de la nourriture où? Dans la Samarie où ils étaient en train de passer parce qu'ils quittaient un point pour un autre. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que le Seigneur Jésus-Christ n'observait pas scrupuleusement toutes ces règles-là. C'est comme on voyait qu'on dit le sabbat, il ne faut pas guérir, les gens ont fait quoi que ce soit, lui vient le sabbat, il fait. Le Seigneur n'est pas dans les histoires de religion, les histoires de religiosité. Il est souverain et il se bouge selon la révélation de ce qu'il a à faire. Et nous voyons même dans le verset 19 ici, pour vous illustrer même les discordes qu'il y avait entre Judéens et Samaritains. Le verset 19 dit « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, aimez-vous là pour les Judéens, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Il y avait l'autre qui dit que c'est Jacob ici. L'autre dit que non, c'est en Samarie qu'il faut faire ça. L'autre dit que non, c'est à Jérusalem. Donc, ils avaient des mésententes entre eux. Mais je tiens encore à dire aujourd'hui que quand Dieu a un plan pour la vie de quelqu'un, rien, aucune règle scientifique, aucune règle sociale, aucune règle religieuse ou je ne sais quoi d'autre ne peut freiner le dégagement, l'explosion de la puissance de Dieu dans ta vie. Le Seigneur n'a pas de barrière et c'est lui qui vient à notre rencontre. La parole dit qu'il est là à la porte, il frappe. Si tu acceptes qu'il entre, tu ouvres et il s'assoit, il soupe avec toi et toi avec lui. La femme samaritaine, je vous exhorte vivement à lire bien ce chapitre 4. C'est très intéressant. La femme samaritaine était une femme qui avait une condition sociale particulière. C'était une femme qui devait sûrement vivre dans la gêne, voire même la honte. C'était une femme qui avait eu 5 maris. Et là, elle était en train de vivre en concubinage avec le 6e mari. Pour faire court, je n'ai pas voulu tout lire parce qu'à partir du verset 16, on voit comment Jésus qui dit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Verset 17, la femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu en as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »
Donc, c'est une femme qui avait déjà eu plusieurs hommes dans la vie. Elle était même isolée des autres femmes. C'était une femme, par conséquent, qui ne pouvait pas être heureuse. On dit donc que c'est une femme malheureuse. Elle devait sans doute éprouver une certaine souffrance. Frère, quand vous lisez la parole de Dieu, ce genre de passage, ne lisez pas la Bible rapidement. C'est ça qu'on appelle la méditation. Lisez et comprenez l'histoire des personnages. Rentrez dans leur tête. Comprenez aussi avec la révélation du passage qu'est-ce que le Seigneur essaye de dire dans ce passage. Elle était sûrement quelqu'un qui devait avoir des souffrances psychologiques. Comme c'est peut-être le cas de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Il y a quelque chose de lourd dans ta vie. Il y a quelque chose qui te rend malheureuse. Il y a quelque chose qui te fait honte. Il y a quelque chose qui te gêne. Il y a quelque chose que tu portes sur tes épaules et que tu ne comprends pas pourquoi ta part est comme ça, mais tu as ça. Voilà pourquoi les gens viennent ici se marier un mari et puis c'est le début à la fin. Mais moi, j'en ai jusqu'à 5. Et le 6e même homme avec qui je suis ne m'a même pas marié. Je vis avec lui. Alors que dans la société dans laquelle j'évolue, on dit qu'on ne doit même pas avoir plus de 3 maris. Mais comment moi je peux me sentir? Qu'est-ce que dans ma tête je peux porter comme charge? Pourquoi les hommes? Parce qu'il n'est dit nulle part que ses maris étaient morts. Pourquoi les hommes l'ont quitté? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus, ils sont partis? Chacun a son histoire. Chacun a son problème. Chacun a une blessure qu'il a. Un dérangement quelque part. Mais là, c'était le Seigneur qui avait rendez-vous avec cette dame. Dans un lieu où elle ne s'attendait pas. Et ce n'est pas tout. Parce que d'un point culturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue de la société, cette rencontre entre Christ, qui lui-même judéen, et cette femme samaritaine, devant tout le monde, dans un lieu public, un puits, était incorrecte. La femme avait le passé lourd, comme j'ai dit, mariée 5 fois. Pour beaucoup de personnes, on peut dire qu'on te regarde avec un œil un peu bizarre. Genre, celle-là a une vie sale. Et vous savez comment le jugement des uns et des autres peut être lourd, peut être pesant sur les épaules. Quand quelqu'un te regarde et dit que mais celle-là, regarde comment elle est. On connaît, les gens ne se mettent pas à la place des fois des autres. De ce que tu peux endurer comme souffrance, de ce que tu peux avoir eu comme passé, comme lourdeur. Mais ils savent juger, ils savent mettre des paroles qui peuvent vraiment blesser davantage la vie d'un être humain. Mais je répète encore que Dieu nous aime. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour de Dieu est incommensurable et inconditionnel. L'amour, la grâce, la compassion, la miséricorde, les valeurs de notre Dieu, notre Père, ne sont pas celles des êtres humains. Sans cela, personne ne serait sauvé. Parce que la Bible est claire, il dit que vous avez tous péché. Nous sommes tous pécheurs. Personne ne mérite quoi que ce soit. Tout ce que nous avons, l'air que nous respirons, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Alors quand les gens se lèvent pour dire que le Seigneur va juger la terre et permettre les coronas pour tuer les gens, qui mérite quoi ici? Sommes-nous meilleurs que ceux qui sont partis? Sommes-nous meilleurs? Et si c'est même Dieu qui a permis ça, vous croyez que les gens peuvent être sauvés, soignés, sortis des hôpitaux? Qui peut défier quelque chose que Dieu a établi? Personne ne s'en sortira. Les mensonges du diable. Chacun qui écoute ce message doit avoir la conviction que qu'importe ses erreurs, qu'importe le passé, les malédictions qu'on a jetées sur la vie, qu'importe les provenances sociales, qu'importe le péché que tu as commis dans le passé, je le répète, Dieu t'aime. Quand Dieu vient à ta rencontre, il pardonne, il efface et il ne s'en souvient plus. C'est important que nous gardions cela dans nos têtes et dans nos cœurs. Que Satan arrête de culpabiliser la vie de quelqu'un, de tromper sa pensée, de tourmenter quelqu'un en l'enfonçant dans les remords ou dans les peurs. Dieu a un plan glorieux. Il dit, je connais les plans que j'ai sur ta vie, les projets de paix et non de malheur qui t'assurent un avenir et de l'espérance. C'est ça qui est la vérité. Il désire que nous nous approchions humblement de lui, que nous lui fassions totalement confiance afin qu'il puisse nous guider et nous conduire. Chacun sait dans quelles conditions Dieu l'a trouvé. Chacun connaît les pensées qui ont habité sa tête. Chacun connaît les péchés qu'il a commis dans sa vie. Mais à un moment donné, Dieu est venu et a secouru. Il a manifesté sa miséricorde et sa grâce. La parole nous enseigne que Jésus, du voyage, était fatigué. Et il est allé s'asseoir au bord d'un puits. Lui-même étant la source d'eau vive intarissable. Lui-même étant le fleuve d'eau vive. Il est allé s'asseoir auprès d'un puits, le puits de Jacob. À quelle heure? À midi. Une heure extrêmement chaude. Les heures de grande chaleur,
Une heure à laquelle les femmes généralement ne sortent pas pour aller puiser de l'eau. Parce que dans ce genre de société, la plupart des femmes sortaient en groupe. Soit très tôt le matin, soit assez tard le soir, quand la météo, le temps permettait favorablement. Mais cette femme, compte tenu de sa vie, la vie qu'elle menait, compte tenu des jugements que les autres pouvaient avoir sur sa personne, elle préférait sortir, braver les intempéries, seule, pour aller puiser son eau. Elle n'endurait comme ça pas le regard de quelqu'un. Elle n'aurait pas à souffrir des jugements ou des chuchotements des uns et des autres. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça quand j'enseigne. Quand on pêche, quand on mène une vie sale, on vit dans la honte. Quand on fait une bêtise, c'est comme les enfants. Ils se cachent ou ils cachent. Parce que la bêtise, le péché, met mal à l'aise. On a tendance à cacher. On est mal à l'aise devant les gens. On est gêné. Parfois même d'autres, quand tu les attrapes, ils mentent. Le péché entraîne la honte. Prenez seulement l'exemple à Genèse. Là où Adam et Ève, ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient honte. Et le péché, la désobéissance, comme je le dis, entraîne le propre, la honte, la vergogne. Et quoique, ben, je fais encore une parenthèse pour dire que de nos jours, il y a tellement de gens possédés par le diable qui ne possèdent même plus la honte. C'est ouvertement qu'ils font leur saleté, leur crime, leur abomination. Mais ça, ça relève vraiment de quelqu'un qui est extrêmement possédé. Il n'a même plus de sens. Mais sinon, une personne normale qui sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, il aura tendance à couvrir. Voilà une personne comme cette dame, à qui le roi des rois, le seigneur des seigneurs, je le répète, la source d'eau intarissable, adresse une parole. Il lui dit, donne-moi à boire. Je répète encore que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, nous ramasse dans la saleté, dans le fumier, dans les malédictions dans lesquelles on était assis. Dans le péché dans lequel on se trouvait, c'est là-bas que Dieu vient nous enlever. Parce que la parole dit que nous étions tous morts, on était perdus, on était sans espérance, sans voie de sortie aucune. Nous étions tous condamnés à la perte à cause de nos péchés. Mais la grâce de Dieu a intervenu à un moment donné et c'est Christ qui nous a rendus à la vie. Romains chapitre 5 verset 8 dit que « Mais Dieu prouve, il démontre, il prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Personne n'a rien fait pour mériter cela. Dieu a prouvé qu'il nous aime dans nos saletés en donnant son Fils unique, unique en son genre. » pour qu'il meure, pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. C'est pour ça que Romains 8, 1, verset 1 dit que « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation ne doit peser sur ta vie, mon frère, ma sœur. » Parce que Colossiens chapitre 2, verset 14 dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il les a détruits en les clouant à la croix. Tous les actes, les ordonnances, les malédictions qui condamnaient ta vie, qui t'attachaient, qui te liaient, tous les blocages qui étaient sur ta vie. La parole te dit aujourd'hui que le Christ nous a non seulement détruits, mais il a cloué ça sur la croix. Ça s'est passé à Golgotha là-bas. Ça s'est passé là-bas, il a dit tout est accompli. Il n'y a plus aucune condamnation. Quand l'adversaire vient pour te tromper, il te dit que oui, voilà, toi tu es sale. Tu as mené une sale vie, comme cette femme. Tu as eu une bordelle comme ça. Tu as eu 5 maris. Voilà le 6e. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez toi? Tout ce que tu peux faire, c'est t'enfermer. Regarde comment tu es tordu. Tu es une mauvaise femme. Tu es un mauvais monsieur. Regarde tout ce que tu fais. Tu es là, machin et tout. Réponds-lui qu'il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Christ. Que tous ces jugements, toutes ces accusations ont été condamnées et ont été détruits et cloués à la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Je le dis avec une fermeté pour que cela s'asseye dans nos cœurs. Le Christ n'est pas mort pour rien. Je répète que le Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, n'est pas mort pour rien. Il a payé le prix fort de son sang. Il a été humilié, accusé injustement, condamné, battu, crucifié pour nous. Il a souffert sans dire un mot, sans rechigner. Il a enduré tout cela par amour. Il a triomphé de la mort. Il est parti effacer les décrets de mort, de sorcellerie, de blocage, de malédiction qui pesaient sur nos vies. Il les a cloués à la croix. Il n'y a plus de condamnation. Que Satan libère la psychologie, la tête, le cœur, la vie de quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il viendra toujours te dire que tu es mauvaise, que tu es nulle, que tu es un bon à rien, que tu es quelqu'un d'inutile. Il viendra toujours dire les paroles qui vont attrister les cœurs, condamner, parce que c'est son rôle. Le mot diable, ça signifie accusateur. Et l'Apocalypse dit qu'il nous accuse jour et nuit. Mais la parole nous dit que tout a été accompli sur le mont de Golgotha.
le monde du calvaire à Golgotha. C'est ce que nous devons connaître et rappeler à l'adversaire quand il vient. Tu dis, il est écrit. Il est écrit. Tu lui réponds avec la parole. Parce que Satan n'a pas peur de comment tu vas parler fort, de comment tu vas pleurer, de comment tu vas... Il respecte la parole. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut contester. Dieu, c'est sa parole et sa parole, c'est lui. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Le sang précieux de Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, n'a pas coulé en vain. Voilà pourquoi il faut déclarer à toute maladie, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cancer, à toute situation de chômage, de blocage, de médiocrité, toute sorcellerie, toute démence, toute obésité, tout mari, toute femme de nuit, tout célibat chronique, toute malédiction, je le répète, qui pèse sur la tête de quelqu'un aujourd'hui, de dégager au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à cette femme, donne-moi à boire. La femme va s'étonner parce que parfois, nous, quand Dieu nous demande les choses, on s'étonne ou des fois on recule. Des fois, on veut même refuser. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'on est ignorant de qui est en train de s'adresser à nous. L'ignorance coûte cher. L'ignorance coûte cher. L'ignorance mène beaucoup de personnes à la perte. Et ça fait rater parfois beaucoup de bénédictions. Quand Dieu te demande quelque chose, mon frère, ma sœur, c'est qu'il veut te bénir au-delà de ce que tu peux penser, imaginer ou même croire. Quand il dit dans les proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand il dit, ma fille, marche dans l'obéissance. Quand il dit que mon enfant, tourne tes regards vers moi, donne-moi ta vie, laisse-moi te guider, te diriger, fais-moi confiance. Regardons le verset 10, je l'ai lu tout à l'heure, je le relis. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais la personne qui est en train de te dire que donne-moi là, c'est que toi-même tu aurais sauté pour donner comme ça et il t'aurait encore béni au-delà. Que Dieu nous accorde véritablement la révélation de savoir qui il est. La révélation de connaître qui il est véritablement. Que toute espèce de rébellion, toute espèce de faux raisonnement, toute espèce de désobéissance, de raidissement de coups, soit déraciné de nos cœurs aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père, notre Roi, se révèle puissamment à nos cœurs. Qu'il parle, qu'il nous montre, que nous puissions davantage apprendre à le connaître. Le psaume 36, verset 9 dit quoi? Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'eau qui va étancher éternellement la soif, c'est ce que Dieu nous donne. Cela implique quoi? Une communion permanente, constante avec cette source qui elle-même est Christ. Et ce n'est pas une communion momentanée comme je vois certaines personnes qui dansent. Un coup c'est ça, un coup c'est pas ça, un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. Après, ils disent, mais pourquoi ma vie n'est pas bénie? Une communion constante t'assure la lumière. Le verset que je viens de lire, le psaume 36, verset 9, dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Comme tu es proche de la lumière, de la source de lumière, eh bien tu marches dans la lumière. Dès que tu t'es loin de cette lumière, eh bien tu te trouves dans les ténèbres. Comme tu es proche de la source d'eau intarissable, tu es arrosé et tu peux arroser les autres. Mais si tu t'es loin de là, eh bien tu vas sécher. Ça implique une communion constante avec cette source. Et Jésus-Christ parlait à cette femme d'une eau spirituelle. Une eau qui confère la vie spirituelle. Comme il est dit en Jean 7, verset 37. Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Jésus-Christ, c'est lui la source d'eau vive. Si tu as soif, viens chez moi, je vais te donner de l'eau. Si tu veux, viens, je vais te donner le pain. Il est aussi le pain. Et tu deviendras toi aussi, quand tu vas commencer à boire, une source d'eau qui va jaillir. Et cela jusque dans la vie éternelle. Parce que la vie que nous vivons aussi sur terre est très brève, comparée à celle que nous allons avoir dans l'éternité. On parle bien d'éternité. Tu es sauvé, tu es béni pour contribuer au salut et à la bénédiction des autres. C'est pour cela que je suis en train de parler aujourd'hui. Pour communiquer de cette grâce, de cette onction aussi aux autres. Afin que les autres aussi puissent aussi communiquer aux autres. Tu marches auprès du Père, tu es dans la lumière arrosée en permanence. Tu es béni et tu arroses les autres. Mais si tu te sépares, tu vas sécher. C'est pour cela que les 2 Pierre, chapitre 2, verset 17, parle de fontaine sans eau. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont comme ça là, mais ils n'ont pas d'eau, ils sont secs. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Moi, je ne pense pas que parmi vous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut être une fontaine sèche. Quelqu'un qui veut être une fontaine sans eau. En tout cas, moi, je ne le serai jamais au nom de Jésus-Christ. Moi, je désire boire
de cette eau encore et encore jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. Dise, maman, viens te reposer, tu as fait ta part. Cette femme ne comprenait pas que le Seigneur Jésus-Christ voulait traiter ses problèmes de manière plus profonde. Elle voyait seulement l'eau du puits, ses problèmes physiques là, là où elle dit que donne-moi l'eau là pour que je ne vienne plus puiser l'eau ici là. Comme ça, ça m'a enlevé même les problèmes. Quand on me regarde, on me juge ici là. Elle voulait traiter les problèmes physiques. Alors que son problème, même que le Seigneur était là pour s'asseoir, la grâce de Dieu, quand il vient dans ta vie, ce n'est pas pour te donner, je ne sais pas moi, les grosses maisons, les voitures, les machins, tout. C'est d'abord pour sauver ton âme, pour te donner le repos, pour te donner la paix, pour te donner la quiétude. Pas pour venir régler les problèmes de ceci, de travail, de machin et conso et tout. Ça, c'est les choses qui viennent après. C'est pour cela que Proverbe 13, verset 14 dit « L'enseignement du sage, et le sage ici s'est mis pour Dieu. » Parce que la Bible dit que c'est lui le seul sage, Dieu le seul sage. Dieu, c'est la sagesse. L'enseignement du sage est une source d'eau vive, une source de vie pour détourner des pièges la mort. C'est un verset qui est très, très, très efficace. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est quand Dieu t'enseigne que ça te détourne des pièges de la mort. Rappelons-nous toujours que c'est la connaissance qui nous épargne la destruction ici dehors. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.